sous le poids direct du tai chi. Comme le nom l'indique du mouvement, il y a une série de coups de poing circulaires. Alors, on peut déjà en voir un, vous voyez, ici, qui retombe. Mais celui qui va nous intéresser, c'est celui-là. Là, vous avez quelque chose de très intéressant en application martiale en zumba. Et vous notez qu'il y a un pied qui travaille avec efficience ici avant de se reposer, okay, pour placer le fameux pas croisé qui va donner ceci derrière et ensuite le coup de poing direct. Okay. Donc, si tu veux bien faire sur une attaque classique à la poitrine, hein, ça peut être une poussée de main, okay, à la distance. La première règle, ça va être bien sûr, comme toujours, de bouger. Mais bouger, ça ne veut pas dire en effet s'éloigner. D'accord? Là, vous l'appelez à vos bras de réattaquer derrière. Donc il faut garder le plus possible le contact. Si on faisait référence à la rosace des bancs, vous voyez, je serais sur cette branche. D'accord? Voilà. Je ne suis pas vraiment sur cette branche-là. Je suis plus sur celle-là. 45 degrés. Voilà, qui vient faire son geste là. À peu près 45 degrés. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est l'efficience de cette technique. Vous voyez, certains, vous êtes là. C'est mieux de venir carrément frapper le bras, voilà, ce qui n'est pas très courant dans les arts martiaux, mais frapper le bras. Souvent, dans les arts martiaux, on utilise des défenses. Alors, des défenses type paume ouverte, c'est déjà une bonne défense. Défense avec l'avant-bras. Pourquoi ne pas envisager, vous voyez, des frappes carrément par le bras, hein, et ensuite attaquer toujours l'articulation du coude. Ça va? Donc sur ce type d'attaque, je viens ce genre de défense. Et simultanément, je suis dans son genou. Donc vous imaginez pour l'esprit ce que ça va générer. Ça va? Donc on y va, ici. 1 et 2. Et tout de suite. Je suis monté là, je vais créer une réaction de protection qui va me permettre de rentrer mon coup de poing direct. Ça va? Et comme toujours, en tai chi, j'essaye d'être le plus relax. Voyez l'attitude? Oui, toujours relâcher la mouvement, hein, pour que ça pénètre vraiment. Voilà, vous avez vu la petite adaptation à la fin? Quand je suis là, dans ma forme, normalement, je fais mon pas croisé et j'avance. Là, j'ai fait une adaptation pour le combat, je suis ici, je repose à côté. Et je rentre ici. Vous auriez pu imaginer ce type de travail. Voyez, ici, en bas, ou ici. Voyez, une autre utilisation du pas croisé. Quand la jambe est devant, la jambe de l'agresseur, tout est possible. Cheville, cuisse, poids. D'accord? C'est les fameux corps de pied qu'on retrouve, le penchak, etc. Vous voyez, il est caché dans votre tai chi. Voilà. Après, derrière, vous avez quelque chose ici, vous voyez? Dans le pas croisé. Et donc, toujours le lien avec la santé. Dans mon pas croisé, je suis sur le méridien du foie. De la vésicule biliaire, partiellement je suis sur une cheville. Voilà. Et si je voulais, allez, pour boum, par exemple, ça va jusque-là. Voilà, vous voyez, c'est riche ce passage. Hein. Il est très riche. Hein. Si on avance, si on recule un peu, juste avant, vous avez ceci dans la forme. N'est-ce pas? Donc là, l'attaque serait plutôt style piqué de couteau. Et là, ça va tomber sur son bras lourdement. Et là, c'est pas très agréable quand on vient scinder ici. D'accord? Donc, j'ai le début. Et regardez comment ça rebondit. Boum! Et donc, s'il met sa main ici, bam! Et là, j'ai le rebond. D'accord? Bam! 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 Et ça rentre dessus. Vous voyez? Et là, vous avez tout l'ensemble depuis le début. C'est-à-dire au moment du départ. Donc nous on a démarré de là, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Ok, merci.